avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, une vingtaine de civils tués dans le centre nord. En effet, la commune rurale de Baola, dans la région du centre nord, s'est vidée après une attaque djihadiste. Des djihadistes ont mené mercredi une incursion violente dans la localité de Baola, tuant au moins 21 personnes, dont plus d'une douzaine de supplétifs civils de l'armée, a appris APA auprès de sources locales et sécuritaires. Plusieurs civils ont aussi été blessés. Selon des témoins joints sur place, les assaillants sont arrivés en grand nombre en début de soirée et ont attaqué les positions des volontaires pour la défense de la patrie qui protège les populations et les déplacés internes. C'était le jour du marché de Baola, donc il y avait beaucoup de monde. Quand les combats ont commencé, c'était la débandade. Ils ont été violents et ont duré près de 3 heures de temps, a indiqué un volontaire pour la défense de la patrie qui a pris part aux affrontements. Il a affirmé que dès l'entame des combats, les supplétifs ont demandé un appui aérien de l'armée en vain. Toutefois, les volontaires pour la défense et la patrie ont neutralisé dans la riposte une vingtaine de djihadistes, a soutenu une source sécuritaire. Une source proche du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a reconnu les traces des militants du groupe proche d'Al-Qaïda qui a dit avoir tué plus d'une dizaine de civils et récupéré des motos, des armes et des munitions à Baola. Elle n'a fait pas cas de perte dans ses rangs. C'est la quatrième fois que la localité de Baola est la cible des groupes djihadistes en 6 mois après les incursions du 18 juillet, du 2 et du 4 septembre 2022. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation très inquiétante qui sévit du côté du Burkina Faso? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.